Tournez dans vos bibles. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. Tournez dans vos bibles. Est-ce qu'il y en a qui ont leur bible encore sur Internet? Qui a une bible en papier? Moi, j'ai ma bible anglaise, française, parce qu'il faut que je l'aille en français. Puis après, je traduis la Passion Translation. Qui a sa bible? Comment? On revient à l'hôtel, All right, sur l'Internet. All right. Tournez dans Romains 12:1. Et vu que je vous aime énormément, je l'ai mis sur PowerPoint aussi. Romains 12:1, je ne sais pas si on peut mettre le texte, c'est un verset ce matin, pas trop compliqué avec ça. Et on va faire l'homenclature, l'herméneutique, l'extrapologie de Romains 12:1. J'ai la version Louis II, le classique qu'on a appris par cœur. C'est bon? Ça vous tente dessus? Vous devriez le savoir. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part, quoi? Un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, je pensais que je l'avais coupé, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, quoi? Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Version, parole vivante. Ah, c'est celle-là. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Je pense qu'on a chanté ça tantôt, hein? Votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, pour ceux qui aiment les choses logiques, conforme à ce que la raison vous demande. Amen. Seigneur, on veut juste te rendre gloire pour cette série qui commence, pour ce temps de louange extraordinaire, pour ce ciel ouvert sur chacune de nos vies. Père, on veut revenir à ce qui est important, Seigneur, dans les prochaines semaines. Seigneur, revenir tout près de ton cœur, Seigneur, revenir dans ta présence, revenir, Seigneur, même, Seigneur, à notre moment de salut, Seigneur, à notre premier amour, Papa. Et Père, Seigneur, permets-nous, Seigneur, de devenir ces sacrifices vivants, saints, agréables, qui te plaît, Seigneur, qui est la moindre des choses pour te glorifier dans toutes nos vies, à tout moment, à tout instant, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit amen. C'est tellement un plaisir de commencer cette série de messages. Ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps qu'on y réfléchit. Et mon cœur, c'est qu'on revienne à l'essentiel. Comme j'ai dit, mon cœur, comme le texte va nous dire, Seigneur, il va dire, je vous demande, je vous exhorte, c'est ça. C'est les deux mots utilisés dans les deux différentes versions. Et en anglais, ça dit « I beseech you ». C'est fort, ça. « Beseech you ». Et je vous le demande, je vous exhorte, revenez à l'autel. Revenez à l'essentiel. Revenez à une vie de sacrifice. Revenez à une vie de repentance. Revenez dans ma présence. Souvent, le Seigneur va dire au peuple d'Israël, « Come on! » Revenez à moi. Et l'essentiel, c'est ça. C'est une vie qui est proche de Dieu. C'est une vie qui est dénudée du fla-fla et des activités, des artifices de la vie. Et c'est une vie qui revient à une vie de sacrifice, qui revient à une vie proche du cœur de Dieu, à une vie proche de l'autel, qu'on est prêt à donner sa vie pour le Seigneur. L'autel, c'est quoi? Vous savez, il y a plus de 400 versets qui parlent d'autel dans la Bible. Et quand je parle d'autel, ce n'est pas H-O-T-E-L, all right? C'est A-U-T-O-L. C'est l'endroit de sacrifice. C'est l'endroit de rencontre du Seigneur. Et le mot hébreu, c'est misbéa. C'est un mot super romantique qui veut dire tout simplement tuer. C'est un des mots les plus motivants, pas possible, les plus festifs qu'il n'y a pas. Le mot misbéa, le mot hôtel en hébreu veut dire tout simplement tuer. Wow, Joël, tu nous encourages ce matin, c'est fou. Et l'endroit d'hôtel, l'idée biblique d'un hôtel, c'est un endroit où on rencontre Dieu. C'est une structure où on met un sacrifice dessus pour l'offrir au Seigneur. C'est un endroit que le feu descend. Qui dit amen à ça? Amen. J'ai aimé ce que Jade a dit. Je ne sais pas où est Jade. Jade est disparu. Jade est où? Jade prend des photos. Et Jade a dit, my. Elle a dit des choses bonnes. Et elle a dit, j'espère que j'ai bien compris, elle a dit qu'un sacrifice n'est pas un sacrifice tant qu'il n'est pas consumé. Come on.
Et l'endroit d'autel, c'est un endroit qu'on embrasse pour le Seigneur, où on s'embrasse pour Dieu. L'endroit, revenir à l'autel, c'est un endroit où qu'on offre un sacrifice, où qu'on bâtit quelque chose pour adorer le Seigneur. C'est un endroit où d'activité divine, c'est un endroit de rencontre personnelle avec Dieu. Et il y a plusieurs endroits dans la Bible où on nous parle d'autels, où que des hommes et des femmes de Dieu ont bâti des autels pour le Seigneur, où qu'on a vécu quelque chose avec Dieu, où qu'on a rencontré Dieu, qu'on soit bâti un autel, ou en un autel, on a vécu une expérience avec Dieu. Abraham, quand Dieu est descendu le visiter, il est venu dire, « Abraham, tu vas devenir le père d'une grande nation. Je vais faire de toi, je vais te donner une postérité aussi grande que les étoiles des cieux, aussi grande que les grains de sable sur la plage. » C'est ça que ça doit être énorme. Et Dieu lui a dit, « Je vais faire de toi une grande nation. » Et Abraham, reconnaissant de la promesse de Dieu sur sa vie, a bâti un autel au Seigneur. Comment on a commencé à adorer Dieu? Dieu n'est pas fini là. Dieu est allé voir Isaac. Il dit, « Hey, la même promesse que j'ai donnée à ton père, je l'ai donnée à toi. Toi aussi, tu vas être le père d'une grande nation. Toi aussi, tu vas être un peuple dans lequel ma descendance va passer. » Isaac, qu'est-ce que vous pensez qu'Isaac a fait? Il a créé un autel pour le Seigneur, un endroit pour le rencontrer, parce qu'il savait qu'il venait de rencontrer Dieu. Jacob, vous savez, c'est battu avec le Seigneur, conduit avec l'ange de l'Éternel. Et ça dit que dans cet endroit-là, Jacob a réalisé, « Wow, je ne savais pas que la présence de Dieu était là. » Et ça dit qu'il a bâti un autel pour se rappeler de son combat avec le Seigneur. Ça dit que ce combat-là l'a sanctifié, a changé sa vie. Il a bâti cet autel. Il l'a appelé Bethel parce que c'était la maison de Dieu. C'est là qu'il avait rencontré Jésus, qu'il avait rencontré le Seigneur. Plein de gens ont bâti des hôtels. Gédéon a bâti un hôtel au Seigneur. Un jour, il y a un ange qui est allé voir Gédéon. Il a dit, « Vaillant guerrier! » Gédéon est parti à rire parce qu'il a dit, « Non, je suis le plus petit des plus petits, la plus petite tribu, le plus petit peuple. Il n'y a rien à faire avec moi. » Il dit, « Non, non, inquiète-toi pas, je suis avec toi. Je t'appelle à délivrer le peuple d'Israël des Midianites. » Et ça a tellement touché Gédéon que non seulement Gédéon a bâti un hôtel, il a, avant de bâtir un hôtel, il a détruit un hôtel. Parce que son père avait bâti un autel pour Baal, un faux dieu, une fausse représentation de qui devait être l'Éternel. Et ça dit que Gédéon a battu l'autel, s'est repenti pour le peuple et a bâti un autel pour le Seigneur. Come on! On connaît le reste de l'histoire. Un de mes textes préférés sur les autels, c'est David. Peut-être que vous connaissez ce texte. David a péché devant l'Éternel, pas avec Bathsheba, une autre fois. Et David a fait un recensement et Dieu lui avait dit, « Non, non, je ne veux pas que tu fasses un recensement. » Et David le fait pareil, David est entêté. Est-ce que des fois vous êtes entêté? Oui. Oui. Deux personnes, merci d'être honnête. Les autres, vous viendrez à l'hôtel. Et il s'est dit qu'il voulait bâtir un hôtel, mais il voulait acheter un champ. Et il est allé voir le propriétaire de ce champ-là, il disait, « Je veux bâtir un hôtel ici, je sens que c'est ici, c'est là que j'ai rencontré Dieu, je veux bâtir un hôtel, mais ce champ t'appartient là. » Et le propriétaire de ce champ, il dit, « Inquiète-toi pas, je vais te le donner le champ, je suis même prêt à te fournir les bœufs pour le sacrifice, ça va me faire plaisir. » Et David va répondre ceci, je ne sais pas si on va voir le texte, va dire, « Tu ne me donneras rien, je veux acheter cela et te le payer à sa pleine valeur. Je ne vais quand même pas offrir, Seigneur, ce qui t'appartient et lui faire des sacrifices qui ne me coûteraient rien. » Wow! Oh, come on. Qui sait qu'on devra offrir au Seigneur quelque chose qui nous coûte quelque chose? Yeah. Avez-vous remarqué qu'on est toujours plus généreux avec ce qui appartient aux autres? C'est toujours plus facile de donner l'argent des autres, les biens des autres. Mais Dieu nous appelle à donner quelque chose qui coûte quelque chose. Laissez-moi vous dire, on ne vient jamais un sacrifice vivant tant qu'on n'apprend pas à donner quelque chose qui nous coûte. Et si votre sacrifice ne coûte rien, peut-être parce qu'il ne vaut rien. Vous êtes vraiment silencieux un matin, qu'est-ce qui se passe? Si peut-être mon offrande que je donne au Seigneur ne me coûte rien, c'est peut-être parce qu'il ne vaut rien. Savez-vous, quand il y a de l'amour, il y a du sacrifice. Avez-vous déjà remarqué ça? Qui aime de ses enfants ici? Deux personnes, trois personnes. Qui a déjà sacrifié plein de choses pour leurs enfants? Du temps. Du sommeil, ça commence par du sommeil. Ensuite, premièrement, c'est ta vie. All right? Après, c'est le sommeil. Mais pourquoi qu'on le fait, vous pensez? Parce qu'il y a de l'amour.
Pourquoi qu'on sacrifie pour nos époux et épouses? Parce qu'il y a de l'amour. Il n'y a pas, sans, si au moment où qu'un amour sincère pour Jésus, laissez-moi vous dire qu'il va y avoir du sacrifice. Est-ce que ça fait du sens? Au moment qu'un amour sincère pour Dieu dans notre vie, une vie de sacrifice va s'installer. Car Dieu a quoi? Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Un sacrifice. Car Dieu a tant aimé. Là où il y a de l'amour, là, il y a du sacrifice. Laissez-moi vous dire, le niveau de l'amour qu'on a pour Dieu est souvent quantifié par le sacrifice qu'on est prêt à faire pour lui. Pincez votre voisin, demande-lui s'il est réveillé ce matin. Il y en a qui pincent plus fort que d'autres. Come on! Et savez-vous quoi, la meilleure chose qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a rien qu'on sacrifie pour Dieu qui ne reviendra pas d'une meilleure façon, encore plus purifiée, forte et sanctifiée. Est-ce que ça fait du sens? Il n'y a rien qu'on sacrifie pour Dieu. Même, il me dit, même la parole de Dieu va dire, je ne sais pas si on peut mettre le prochain texte, il va dire, si tu essayes, celui qui essaie, qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable, mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. Qui dit amen à ça ce matin? Come on! Si on se préoccupe de sauver notre vie, on va la perdre. Si on se préoccupe de la donner, l'offrir en sacrifice à Dieu, on va la trouver pour de vrai. Est-ce que ça fait du sens? Ma prière pendant les prochaines semaines, c'est que vous revenez vraiment à l'autel. Ça paraît quand on met de l'intentionnalité à revenir à l'autel, on l'a vu ce matin. Ça paraît quand on est prêt à revenir à Jésus et dire, « Seigneur, je vais bâtir quelque chose pour toi. Je vais bâtir un autel de louange. Je vais bâtir un autel de sacrifice. Je vais bâtir un autel de générosité. Je vais bâtir quelque chose pour toi. » Quand on est intentionnel à revenir à l'autel, on vit des choses extraordinaires. Vous savez qu'il se passe des choses à l'autel? A-U-T-E-L. Vous savez qu'il se passe des choses merveilleuse à l'autel. Vous savez, un moment à l'autel a un impact extraordinaire sur chacune de nos vies. Vous savez ce qui se passe à l'autel? Première chose qui se passe, c'est la confession, le pardon de nos péchés. Ça dit que celui qui confesse de sa bouche que Jésus est le Fils de Dieu, come on, il va lui donner la vie éternelle et il va le sauver. Qu'est-ce qui se passe à l'autel? C'est un moment de repentance, c'est un moment de confession, c'est un moment de pardon des péchés. Jésus est mort à la croix. Ça dit, si tu penses que tu n'as pas de péché, il y a un autre texte, je ne les ai pas écrits, je voulais juste vous les lire. Ça dit, si on prétend être sans péché, on se trompe nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Et si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu, il agira en celui qu'il a promis, ce qui est juste, et nous pardonnera nos péchés, et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Come on! Est-ce que vous avez bâti un autel de repentance dernièrement avec Dieu? Est-ce que vous avez bâti un autel ou que vous venez à Jésus pour offrir vos vies et dire, Seigneur, prends tout ce qui n'est pas de toi, prends tout ce qui est péché dans ma vie. Je veux être pur devant toi. Je veux être saint devant toi. C'est quand la dernière fois que vous avez bâti un autel de repentance devant le Seigneur et de déverser votre vie en Seigneur, commande, Seigneur, je veux être comme toi. Merci, Émilie. C'est un autel. L'autel, c'est pas seulement un moment où on vit la repentance, c'est un moment où on vit le changement, la transformation. Quand on vient à l'autel de Dieu, on ne devrait pas repartir le même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quand on rencontre Jésus pour de vrai, on ne devrait pas repartir la même personne. Même le texte va nous dire que celui qui rencontre Jésus, qui a une communion vivante avec le Christ, il devient quoi? Un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. Et la nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Comment? C'est ça qui se passe à l'autel. C'est ça qui se passe à l'autel du Seigneur quand on vient devant lui, quand on vient pour le rencontrer. L'autel, c'est pas juste ici, même si souvent on associe l'autel à un appel, à avancer en avant. Et tantôt, on va le faire. Mais l'autel, ça peut être dans ton auto, come on. L'autel, ça peut être dans ta chambre. L'autel, ça peut être à ton bureau. L'autel, ça peut être quand tu es parti en voyage. Il n'y a aucun endroit spécifique. L'autel est dans ton cœur, come on. Quand tu offres ton cœur sur le sacrifice, comme un sacrifice vivant, il y a des choses qui se passent. Ta vie ne reste pas pareille. Ta vie est transformée.
Non seulement à l'autel, on vit la confession, on vit le changement, la transformation, mais à l'autel, on vit la consécration. Jacques 4, 7 va dire, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous, mais tenez-vous tout près de Dieu, il se tiendra près de vous. » Comment? Qui veut être proche de Dieu? Je sais que Dieu est toujours là, il nous accompagne, mais aussi il nous fait le challenge de nous aussi de courir vers lui et se rapprocher de lui. Il y a un texte qui va nous dire, et probablement je vais le décortiquer un peu plus la semaine prochaine parce que je trouvais ça intéressant dans Hébreux, ça dit « Frère, parce que Jésus a versé son sang, nous avons un libre accès au sanctuaire éternel. » Qui sait que vous avez un libre accès à la présence de Dieu ce matin? Come on. À cause de son sang. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Il en a frayé le chemin, un chemin nouveau qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. Comment? Est-ce que vous voyez l'autel dans ce texte-là? Jésus a déversé son sang, il l'a emmené vers le Père, il a déchiré le voile, il nous dit, come on, Astor, tu peux venir à l'autel n'importe quand. Come on. Je vous aime. Tu peux venir à cause du sacrifice. On parle d'être un sacrifice vivant ce matin. Jésus a été le premier exemple de sacrifice. Il est venu marcher ici, a donné sa vie en rançon pour chacun de nos péchés, en sacrifice, afin qu'on n'ait pas une repentance par la crainte de l'Éternel, mais qu'on ait une repentance par audace dans la présence de Dieu. Comment? Qu'on puisse rentrer avec audace. C'est-à-dire, allons donc à lui d'un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance que nous donne la foi, sachant que nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nous, de conscience, tout comme nos corps sont lavés lorsque nous l'avons baigné dans l'eau claire. Et quatrième chose qui se passe à l'autel, c'est un... je l'ai traduit. Je ne l'ai pas traduit. En anglais, on dit « commissioning ». Un commissionnement pour fitter avec les autres, c'est une mise en marche du croyant. Quand on vient à l'autel, qui a déjà reçu le mandat de Dieu pour sa vie quand un jour il s'est présenté à l'autel ici? Qui sait que quand on vient à l'autel, Dieu donne des mandats. Quand on vient en sacrifice de louange devant Dieu, quand on vient comme d'un sacrifice vivant, Dieu donne ses mandats et Dieu nous donne un mandat dans sa mission. C'est à l'autel qu'Ésaïe, comment vous connaissez cette histoire dans Ésaïe 6, ou que Ésaïe a une vision du trône de Dieu, il voit les anges autour de Dieu, il voit l'adoration, saint, 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 le Seigneur. Et ça dit que le Dieu disait, qui va aller pour nous? Et un ange a pris une roche ardente, est venu toucher les lèvres d'Ésaïe, est venu purifier ses lèvres. Et Ésaïe a dit, moi, me voici, Seigneur, envoie-moi, come on. C'est à l'autel que Ésaïe a eu son appel prophétique sur sa vie. C'est à l'autel de prière qu'on a mis de côté Paul et Barnabas pour être les apôtres qui ont témoigné aux païens et aux gentils pour amener la nouvelle révélation qu'on devrait aussi amener Jésus aux non-juifs. Est-ce que ça fait du sens? C'est à l'autel que Dieu nous met de côté pour son service. Je vous trouve tellement silencieux ce matin. Je pense que vous réfléchissez pas mal. Moi, ma femme a dit, quand tu parles pas, c'est parce que tu réfléchis. Y en a-tu que c'est la même affaire? Oui. Peut-être que vous réfléchissez si vous voulez vraiment offrir votre vie comme un sacrifice vivant. Culte et raisonnable. Saint et agréable. Et le texte va nous dire dans Romains, je te demande. Voici comment offrir notre vie comme un sacrifice vivant. Et Romains va nous dire, je te demande. Paul va dire, je te demande. L'autre texte, l'autre version va dire, je t'exhorte. Et savez-vous quoi? Le thème n'est pas assez fort. Le vrai pensée grec de ces mots-là, c'est je t'en supplie. La version anglaise, « I beseech you », c'est ça que ça veut dire. « Je t'en supplie, offre ta vie comme un sacrifice vivant. »
Et vous savez, dans le contexte, eux, ils comprenaient c'est quoi l'idée d'un sacrifice. Est-ce que vous comprenez que Paul ne parlait pas d'une image qu'ils ne comprenaient pas? Les gens d'Israël comprenaient c'était quoi un sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose que tu donnes et que tu n'as plus jamais. Quand tu offrais un sacrifice à l'autel au Seigneur, c'est quelque chose que jamais plus tu pouvais avoir. C'est quelque chose qui n'était plus à toi. C'est quelque chose qui t'appartenait. Est-ce que vous comprenez l'idéologie derrière un sacrifice vivant? C'est que j'amène ma vie à Dieu et puis jamais elle m'appartient. Je sais pourquoi maintenant vous êtes silencieux. Parce que c'est sérieux. Quand on amène un sacrifice, quand il amenait un agneau, quand il amenait un bœuf, il est en train de réaliser que maintenant, cet animal-là, elle ne m'appartient plus, elle appartient à Dieu, elle devrait être utilisée pour un but supérieur. Et quand j'offre ma vie comme un sacrifice vivant, je suis en train de dire, Seigneur, utilise ma vie. C'était tellement bon matin. Fais ce que tu veux. Sauf ça. Il n'y a pas de clause quand on dit au Seigneur qu'on donne notre vie en sacrifice vivant. Est-ce que ça fait du sens? Il n'y a pas de clause. Oui, prends tout. Il n'y a pas de clause. Souvent on dit oui, prends tout Seigneur, sauf mon portefeuille, sauf ma job, sauf mon temps, sauf les choses qui m'appartiennent. Mais quand on comprend, oui c'est sérieux, qu'on comprend que si je donne ma vie en sacrifice vivant ce matin à Dieu, je suis en train de dire, ça ne m'appartient plus ma vie, elle t'appartient. Allô, êtes-vous là? Même le texte va dire que vous êtes maintenant quoi? Le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus parce que Jésus a payé de votre vie. Un si grand prix. Il faut réaliser à quel point ce sacrifice-là est sérieux et précieux. Et c'est quoi qu'on offre dans ce sacrifice-là? Ça dit qu'on offre quoi? Notre corps. Toutes nos pensées, toutes nos facultés, toutes les choses qui fait qui Joël est, c'est ça que je dois offrir au Seigneur. Les enfants sont contents. Et le texte va dire, je te demande, je t'en supplie, come on, je te urge. Je ne sais pas si tu peux changer l'image. C'est ça que ça ressemble. Et si vous résistez à ça, vous êtes peut-être mort ce matin. On va prier pour votre résurrection. Je t'en supplie. Change ma couche, c'est probablement ça qu'il est en train de dire. Elle est débordante de grâce. Et j'en supplie, le texte est simple, j'en supplie, c'est ça que ça dit. Et ça dit qu'on devrait se le rappeler. Ça me fait plaisir de vous rappeler ce matin. Ça me fait plaisir de vous rappeler qu'on doit offrir notre vie comme un sacrifice vivant au Seigneur. Il faut se le rappeler plus souvent. Faut être capable de se le dire, hey, offre ta vie en sacrifice. Rappelle-toi que c'est le but. Rappelle-toi que c'est l'essentiel. Come on. Il va dire, frère. Je suis content qu'il n'ait pas dit juste pasteur ou leader. C'est pas juste aux pasteurs ou leaders de sacrifier leur vie pour les autres. C'est à tous les frères. C'est qui inclut les sœurs. Amen. Êtes-vous là? Ça inclut tout le monde. Je vous exhorte, frères et sœurs. C'est moi, c'est vous. Il n'y a pas de classe de différence entre qui devrait donner un sacrifice plus ou moins. On est tous appelés à devenir des sacrifices vivants. Il y a un pasteur qui dit amen à ça. Vous savez, il y a un texte qui dit que les leaders vont être jugés plus sévèrement. Avez-vous remarqué? Avez-vous déjà lu ce texte-là? Ça fait juste dire plus sévèrement, mais ça ne veut pas dire que le standard n'est pas le même. Chacun d'entre nous, on va devoir faire face au Seigneur et rendre compte de notre vie. Chacun d'entre nous, ça dit qu'on va passer devant le judgment seat of Jesus, le mercy seat of Jesus. Et que tout, je ne pense pas que je l'ai mis ce verset-là, mais je vais vous lire parce que c'est tellement important. Il faut qu'on... C'est trop important. 2 Corinthiens 5, ça dit ainsi donc que nous devions rester encore dans ce corps ou le quitter.
Notre seule ambition est de plaire au Seigneur. Wow, come on. Car un jour, nous aurons tous à comparaître devant le Christ pour être soumis à son examen. Je l'ai écrit. Là, tout sera mis à découvert. Chacun recevra la récompense méritée suivant sa conduite durant cette vie terrestre et les actions bonnes ou mauvaises qu'il aura accomplies où? En son corps. Et c'est pénétré de ce respect du Seigneur que nous marchons. Wow! Si vous voulez une raison d'être pour vivre pour Dieu dans la sainteté, c'est en dans cette optique-là qu'un jour je vais paraître devant le Seigneur et devoir à rendre compte de tous mes choix et de mes actions bonnes ou mauvaises. Et je veux vivre. Il est en train de dire, vis avec cette pensée-là en tête. Pas parce qu'on vit par la peur, mais on vit par un objectif supérieur. On vit avec des raisons d'être supérieures et je veux avoir ce respect-là du Seigneur quand je marche. Le Seigneur, je veux être un sacrifice vivant pour toi. Il va dire, je vous demande, je vous en supplie, frère, tout le monde qui entendait ce texte-là ce matin, d'offrir votre vie comme un sacrifice vivant. À cause de quoi? À cause de quoi? Voulez-vous savoir une bonne raison pourquoi vous devriez offrir vos vies en sacrifice? Vous savez pourquoi? À cause des bontés de Dieu. Romains 12 est un changement dans le texte de Romains. Vous savez, peut-être vous savez, peut-être vous ne savez pas, mais quand ils ont écrit les textes originaux, il n'y avait pas de chapitre et il n'y avait pas de verset. Est-ce que vous saviez ça? On a fait ça aujourd'hui. Ceux qui ont mis la Bible ensemble ont mis ça pour qu'on retrouve plus facilement les versets dans nos Bibles. Mais originalement, un texte devait être lu du début jusqu'à la fin. C'était une lettre au complet. Et le Romains 12 est un changement de chiffre dans la lettre aux Romains. Il est en train de dire, « Mes frères, à cause, therefore, en anglais ça dit « therefore », à cause de toutes les bontés de Dieu. Et pour savoir c'est quoi les bontés de Dieu, il faut que tu regardes à Romains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi les bontés de Dieu dans Romains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? Oui. Ça dit ceci, ça dit que les bontés, c'est qu'il nous a pardonné nos péchés, il nous a donné la vie éternelle, il nous a adoptés comme ses fils et ses filles, il nous a donné le Saint-Esprit pour vivre et servir, il nous réserve un héritage dans les cieux, depuis il nous promet d'être toujours avec nous, il nous aide, il nous entend et répond à nos prières. Ça, c'est assez pour donner notre vie à Dieu, un sacrifice de louange. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est les bontés de Dieu. Si tu veux une raison pour donner ta vie à Dieu, un sacrifice, réalise les bontés, les compassions de Dieu pour toi. À cause de ça, je vais offrir ma vie en sacrifice. À cause de tout ce que Dieu a fait pour ta vie, à cause des compassions qu'il a pour chacun de nous, le culte raisonnable, c'est de dire, Seigneur, je t'offre ma vie en offrande. Come on. À cause de tout ce qu'il a fait. Savez-vous, des fois, on vit trop souvent en oubliant ce que Dieu a fait pour nous. On oublie notre identité, on oublie ce que Dieu a fait pour nous transformer, pour nous changer. La question n'est pas si je mérite de le servir, c'est plutôt est-ce qu'il mérite d'être servi? Et la réponse est toujours oui. Qui dit amen à ça? Comment? La question, c'est pas savoir, Seigneur, je mérite pas d'être servi, ou je suis assez bon, ou ça n'a pas rapport avec toi. Allô? Ça n'a pas rapport, je suis assez pur, je suis assez bon, j'ai assez étudié. Ça n'a pas rapport avec toi. C'est pas la question si c'est toi qui mérites de le servir. La question, c'est si tu lui qui mérites d'être servi. Et la réponse est toujours oui. Come on. C'est toujours oui. Il n'y a même pas de peut-être que. La réponse est toujours oui. Dieu est digne de louange. Dieu est digne de ma vie. Dieu est digne d'adoration. Fais ce que tu veux. Quoi après? Deux fois parce qu'on comprend pas bien comment. De ma vie, c'est ça, je cherchais. Fais ce que tu veux. Et dans cette série, je veux vous ramener à l'essentiel. Et probablement, c'est la phrase la plus qui pourrait le plus synthétiser cette série-là. Oui, Seigneur, fais ce que tu veux. C'est quand dernière fois on s'est venu à l'hôtel pour dire, Seigneur, fais ce que tu veux avec ma vie. Fais ce que tu veux. Il n'y a pas d'objection. Non seulement il va dire offre ta vie comme un. Qu'est-ce qu'il va dire? On va aller le voir ensemble. Toutou.
Ah oui, c'est ça, c'est de lui consacrer, de lui présenter. J'ai écrit ceci, il dit, nous ne sommes pas juste sauvés par Jésus, nous sommes sauvés pour Jésus. Je vais le répéter. On n'est pas juste sauvés par Jésus, on est sauvés pour Jésus. Est-ce que ça fait du sens? J'ai écrit sur Facebook hier, j'ai dit, savez-vous quoi, c'est quoi le plus grand problème avec un sacrifice vivant? Hein? C'est qu'il est vivant. Et je ne sais pas pour vous, mais des fois, on a tendance à débarquer de l'autel. Des fois, on a des moments avec le Seigneur, des rencontres avec Dieu. C'est drôle, un mois plus tard, on est retourné dans nos vieilles affaires. Parce qu'on a tendance à débarquer de l'autel. C'est ça la beauté de la chose et la difficulté de la chose. La beauté, c'est que le Seigneur dit, « Toi, consacre-toi. Toi, monte sur l'autel. » Je peux imaginer Abraham et Isaac. Hein, Isaac, Isaac s'est pas débattu. Isaac a monté sur l'autel. Isaac s'est mis en position pour être un sacrifice. Il aurait pu débarquer tant qu'il voudrait. Mais il est resté là. La chose la plus difficile des fois avec nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est des fois on dit, Seigneur, oui, fais ce que tu veux. Puis à un moment donné, on dit, Seigneur, tu n'as pas fait grand-chose, je vais m'en occuper moi-même. Et c'est la pire chose qu'on ne pourrait pas faire, c'est d'avoir patience au Seigneur de quand lui va le faire dans son temps, dans son moment, et de pouvoir juste rester nous-mêmes sur l'autel en disant, Seigneur, tu as pris ma vie, je ne la reprendrai pas. Je peux-tu être honnête avec vous? J'ai vu trop de gens reprendre leur vie sur l'autel et s'en aller loin de Dieu. Et laissez-moi être honnête, leur vie est pire maintenant qu'elle était avant. Ils sont dans plus de troubles, plus de problèmes financiers, plus de problèmes de relationnels. Pourquoi? Parce qu'un jour, c'est pas tout le monde, mais une grande majorité des gens, c'est comme ça. Parce qu'ils ont pris leur vie entre les mains au lieu de dire, Seigneur, je te fais confiance pour toute chose. Ma prière pour vous, c'est que vous ne soyez jamais quelqu'un qui débarque de l'autel. Que vous soyez un sacrifice vivant, mais qui est capable de prendre la décision de rester dans ses bras, de rester en lui, rester proche de lui. Ça dit que c'est un sacrifice qui est sain et acceptable. L'idée d'être saint, l'idée de sanctification, ce n'est pas d'être parfait. Même quand le texte va dire « Soyez parfaits comme moi, je suis parfait », le mot, ce n'est pas d'être parfait ou sans tâche, le mot, c'est d'être complet, d'être mature comme moi, je suis mature, d'être complet comme moi, je suis complet. Et vous savez, la sanctification, c'est que ma vie, de plus en plus, matche la réalité de qui je suis en Jésus-Christ. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que Jésus me sauve, Jésus me libère, Jésus pardonne mes péchés? Mais la sanctification, c'est tranquillement pas vite. C'est que ma vie terrestre ressemble de plus en plus à ma future vie céleste et que ma position sur terre représente de plus en plus à la position de Christ dans laquelle il m'a mis. Est-ce que ça fait du sens? C'est ça la sanctification. Et que je puisse représenter Jésus au maximum de ma vie. Que ce soit un culte acceptable. Ça dit, pourquoi il était acceptable? C'est parce que il y avait une bonne odeur qui montait. Qu'est-ce qui plaisait à Dieu, c'est cette odeur. Et quand on offre nos vies comme un sacrifice vivant, on offre une louange au Seigneur. Ça dit que ça doit être quoi? Un culte raisonnable. C'est notre louange. Savez-vous c'est quoi la plus pure louange qu'on peut offrir à Dieu? Savez-vous c'est quoi? C'est d'offrir nos vies en sacrifice. C'est la plus pure louange qu'on peut offrir à Dieu, c'est d'offrir nos vies en sacrifice pour lui. C'est le fun, on a eu du bon temps dans la louange ce matin, mais savez-vous quoi? C'est pas le paroxysme de la louange qu'on peut offrir à Dieu, même si ça en a fait partie. C'est pas ça, c'est pas de chanter, même si ça en a fait partie. Le paroxysme de la louange qu'on offre à Dieu, c'est de nous-mêmes devenir un sacrifice vivant et dire, Seigneur, je te donne ma vie, fais ce que tu veux avec. Est-ce que ça fait du sens? Et ça dit que c'est un culte raisonnable. Savez-vous ce que vraiment ça veut dire, raisonnable? Ça veut dire que c'est la moindre des choses. La moindre des choses qu'on devrait offrir à Dieu, c'est notre vie en sacrifice. Vivre pour moins que Dieu est irraisonnable. Je vais vous la laisser la réfléchir un peu.
J'ai dit « Vivre pour moi que Dieu est irraisonnable » et non le contraire. Vous savez, il y a des gens qui disent que vivre pour Dieu, c'est irraisonnable. Pourquoi vous vivez pour Dieu? C'est quoi? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu donnes de l'argent? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des sacrifices? Pourquoi tu te prives de certaines choses? S'il n'y a pas de sacrifice, comment? S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sacrifice. C'est parce que j'aime Jésus. Savez-vous quoi? Les gens pensent que c'est irraisonnable de vivre pour Dieu. Laissez-moi vous dire que vivre pour moins que Dieu est irraisonnable. Que vivre pour toute autre chose qui n'est pas Dieu est irraisonnable. La chose la plus raisonnable, c'est de donner notre vie comme un sacrifice vivant. Je ne sais pas si la gang pouvait monter pour... On veut faire un chant spécial ce matin. Et je vais vous inviter à un moment à l'autel dans quelques instants. On va le chanter une fois. Et pendant que vous commencez, tranquillement, pas vite, si vous rendez là avant que je commence à parler. Je veux juste vous raconter une petite histoire rapidement et après on va écouter le chant une fois. Ou non, on va l'écouter tout de suite puis après je vais raconter ma petite histoire. Changement. Accablé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Arrives-tu au bout de toi-même? Veux-tu goûter aux sources de vie? Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grand ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Hey, hey. Abandonne tes regrets, tes erreurs. N'attends plus et viens auprès de lui. Jésus t'appelle. Prends ta peine et change-la pour la joie. Car des cendres naît une vie nouvelle. Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grand ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grand ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Merveilleux Sauveur, il est un con.
chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Merveilleux sauveur, merveilleux sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Prosternons-nous, oh prosternons-nous devant le roi. Maintenant, il y a un jeune homme, il s'appelait Jim Elliot. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jim Elliot. C'est un chrétien évangélique qui avait donné. Vous savez, Dieu et son cœur, c'était d'aller évangéliser en Équateur. Une tribu éloignée dans la forêt amazonienne. Et son rêve, c'était d'emmener l'évangile à cette tribu-là. Ses parents ne voulaient pas qu'il y aille, voulaient le convaincre d'être un pasteur jeunesse. Mais lui et cinq de ses amis, trois de ses amis et un pilote d'avion se sont rendus dans cette brousse-là. Ils avaient appris la langue, ils avaient traduit la Bible dans la langue. Et en débarquant de l'avion, ils se sont fait tuer par la tribu. Lui et ses quatre autres amis ont été retrouvés dans la rivière. Il a été élevé comme un martyr, comme quelqu'un qui a donné sa vie en sacrifice vivant pour Dieu. Je me rappelle avoir lu son livre quand j'étais jeune, toute son histoire. Il y a quelques années, on a commémoré, pour ne pas dire fêté, mais on a commémoré les 50 ans de sa mort. Un des personnes qui venait commémorer sa vie a dit ceci, a dit, j'étais là la journée que Jim Elliot est mort. Et quelqu'un dans la salle s'est levé et dit, c'est impossible que tu sois là. Parce que si tu étais là, tu serais mort toi aussi, parce que tous ceux qui faisaient partie de cette excursion-là, ils sont morts cette journée-là. Alors c'est impossible que tu étais avec eux, sinon tu ne serais pas vivant pour le raconter. Cette personne a dit, non, tu ne comprends pas. Jim Elliot n'est pas mort dans la brousse il y a 50 ans. Il dit, mon ami est mort à une soirée de réveil à mon université. Et que le jour qu'il a amené, il a donné sa vie à Jésus et qu'il a reçu l'appel d'être missionnaire, c'est ce jour-là que mon ami est mort. C'est pas dans la brousse. Pas comment notre vie va finir. Mais ce jour-là, ce ne sera pas notre mort. Allô? Ce serait peut-être le meilleur temps que soyez contents de mon message un matin. Ce jour-là, ce ne sera pas notre mort. Ça va être juste
le début de la vie qu'on a déjà, qui est la vie éternelle. Savez-vous que la vraie mort, elle se passe? C'est ici. C'est là que la vraie mort, elle se passe. Quand je suis prêt à dire, Seigneur, je te donne ma vie, je l'offre en sacrifice vivant, que nous aussi, on peut avoir ces moments où on est prêt à tout donner, que même si mourir dans la brousse, c'est ce qui m'attend, c'est un privilège parce que la mort m'est un gain, come on. Quand je suis avec Dieu. Je vais toujours me rappeler, alors j'ai 13 ans, avait tous les mercredis une étude biblique dans mon école chrétienne. On avait des versets le matin, le midi, le soir. Le mardi, des versets le matin, le midi, le soir. On était saturés de versets. On n'en pouvait plus des versets. On était plein de versets. On aimerait les apprendre par cœur. On les avait dans nos cahiers d'études. Ça nous sortait par les oreilles, les versets. Mais une petite étude biblique d'un mercredi matin qui n'avait même pas rapport avec donner sa vie à Jésus. Alors, j'ai 13 ans, je me suis retrouvé à l'hôtel en avant, tout seul à pleurer comme une vraie Madeleine, pas vous autres, devant mes amis qui peut-être ne comprenaient pas ce que je vivais, mais je sais que ce jour-là, je suis mort à l'hôtel. Ah, des fois, j'ai débarqué. Ah, à 18, j'ai débarqué. À 19, j'ai débarqué. À 20, j'ai pris une grosse débarque. Mais je vais toujours me rappeler où que je suis. La première fois que je suis monté à l'hôtel. C'est quoi les hôtels que vous bâtissez devant le Seigneur, mes amis? C'est quoi les autels que vous bâtissez devant le Seigneur? C'est quoi l'autel que vous allez bâtir pendant le jeûne et prière de la prochaine semaine? Allez-vous bâtir un autel de salut? Allez-vous bâtir un autel de sacrifice de louange devant le Seigneur? C'est quoi l'autel que vous êtes en train de bâtir devant le Seigneur? C'est quoi le sacrifice que vous êtes en train d'amener dans vos vies présentement? C'est-tu un sacrifice de temps? C'est-tu un sacrifice financier? C'est-tu un sacrifice d'amitié? Savez-vous, j'ai perdu plein d'amis parce que j'aimais Jésus. C'est plate perdre des amis. Mais il n'y a rien que je vais perdre pour la cause de Jésus que Dieu ne va pas me redonner en meilleur. Aujourd'hui, j'ai des bien meilleurs amis. Come on! Parce qu'eux autres aussi sont prêts à mourir sur l'autel de sacrifice. Et ça, c'est les meilleurs chums qu'il ne peut pas avoir. Êtes-vous en train de bâtir un autel de repentance dernièrement? Ou que vous vous débarrassez du péché qui nous entoure et qui vous entoure et qui m'entoure si facilement et qu'on dit, Seigneur, c'est finish. J'ai écrit ceci, je ne l'ai pas dit tantôt, mais savez-vous quoi? La sanctification, c'est beaucoup plus commencer à faire quelque chose que d'arrêter de faire quelque chose. Souvent, on pense que sanctifier, c'est combattre le péché et dire « Ah, péché, je ferai plus! Péché, je ferai plus! Péché, je ferai plus! » Et tu te réveilles le lendemain et tu rentres en plein dans le même péché. Pourquoi? Parce qu'on focus beaucoup plus sur le péché que celui qui nous a délivré du péché. Et quand je commence à bâtir quand je commence à bâtir un autel de repentance et commencer à faire quelque chose, vous allez voir que votre péché va s'éloigner et va s'effriter devant le Seigneur. Êtes-vous là un matin? Un matin, je vous invite peut-être au meilleur moment que vous n'avez pas eu dans la présence de Dieu comme moi j'ai eu tantôt à l'autel. Je vous invite de venir à l'autel ce matin. Moi, le staff, ceux qui veulent, Caro, Dez, l'équipe, le leadership qui est là, là, si vous voulez prier avec moi, ce serait tellement extraordinaire. Ce matin, je vais vous donner l'occasion de revenir à l'autel et de bâtir quelque chose pour le Seigneur comme ça fait longtemps que vous n'avez pas bâti. Manquez pas cette occasion ce matin de revenir à l'essentiel.
pendant qu'on va chanter, je vous laisse librement avancer quand vous voulez. Je vous laisse prendre la décision de monter sur le bûcher. Je ne peux pas le faire pour vous. Hey, ça serait tellement le fun de vous offrir un sacrifice. Il y a seul sacrifice. Bon, ça peut s'interpréter différemment, mais on se comprend. Ça serait tellement le fun de pouvoir. C'est facile de donner la vie de quelqu'un d'autre. La seule chose que je peux offrir, c'est la mienne. Come on. On a écrit « Reviens à l'autel » parce que peut-être il y en a, vous allez venir pour la première fois. Peut-être il y en a, vous allez venir pour la 20e fois. Mais ce matin, pendant qu'on chante ce chant, on va prendre les 10, 15 prochaines minutes qui nous restent pour mettre notre vie sur l'autel du Seigneur comme jamais auparavant. Est-ce que ça fait du sens? Vas-y, Émilie. Pendant qu'il commence à chanter, sortez de vos bancs quand vous voulez. C'est votre sacrifice, c'est pas le mien. C'est votre sacrifice de louange, c'est pas le mien. C'est votre sacrifice de repentance, c'est pas le mien. C'est votre vie avec Dieu, c'est pas le mien. Commencez à remplir cette estrade, l'autel. Cet autel, c'est un autel. Ça peut être partout, mais ce matin, c'est ici. Ça peut être à tous les moments, mais ce matin, c'est ici. Venez au milieu, il y a de la place en masse. Remplissez l'autel au complet ce matin. On va commencer à prier pour vous ce matin. Si c'est un moment de repentance que vous devez avoir avec Dieu, mettez-vous à genoux, que ce soit repentance ou pas repentance. Seigneur, on vient à l'essentiel ce matin. On vient à l'essentiel ce matin. We put our life on the altar of life, Jesus. On the altar of sacrifice, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Ha. Hallelujah, Jésus. On met nos vies ce matin sur cet autel de sacrifice, Seigneur. Parce que ce matin, il y a un moment de confession qui est là pour chacun de nous. Il y a un moment de repentance qui est là pour chacun de nous ce matin. Hallelujah. L'équipe peut commencer à aller prier pour des gens, si vous voulez, sûr. Alléluia, si vous vous sentez prêt, allez-y. Alléluia, il y a un moment de repentance, il y a un moment de conviction ce matin. Il y a un moment de consécration ce matin. Des fois, c'est pas à propos du péché, c'est à propos de la destinée qui est sur ta vie. Et des fois, on donne notre vie à Dieu, on dit, Seigneur, fais ce que tu veux, mais on s'éloigne de notre destinée. On s'éloigne de ce que Dieu, tu veux vraiment faire, de ce qui est essentiel. On s'éloigne du centre de pourquoi même j'ai donné ma vie à Dieu. Seigneur, rappelle-moi pourquoi j'ai donné ma vie à Dieu. Rappelle-moi les bontés que tu as faites pour moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh, Jésus, Seigneur. Yes. Les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Hey, yeah. Oh, oh. Hey, yeah. Oh, oh. Hey, yeah. Merveilleux sauveur, il est un devant le roi des rois, chante alléluia, Christ est vivant, oh merveilleux, merveilleux sauveur, il est incomparable, chante alléluia.
m'entends. Prends ma vie et je te la donne. Prends ma vie. Prends ma vie. Je te la donne. Entièrement, complètement, prends ma vie, je te la donne. Prends ma vie, je te la donne. Merveilleux, on continue. Merveilleux sauveur, chantons. Il est incomparable. Chante Alléluia. Christ est vivant. Prosterne-nous. Oh, prosternons-nous devant le roi. À l'autel.
je me donne et à l'autel. Prends ma vie, je te l'offre au merveilleux Sauveur. Il est incomparable. Chante Alléluia. Christ est vivant. Merveilleux. Merveilleux Sauveur. Il est incomparable. Mes yeux ne sont que sur toi. Mes yeux ne sont que sur toi, mon espérance. Mes yeux ne sont que sur toi, mon espérance. Que sur toi, oh mes yeux. Mes yeux ne sont que sur toi. Hey, yeah. Mes yeux ne sont que sur toi. Mes yeux ne sont que sur toi, tu es mon espérance. Mes yeux ne sont que sur toi, oh, oh. Mes yeux ne sont que sur toi, mon espérance. Mes yeux ne sont que sur toi. Mes yeux ne sont que sur toi, hey, yeah. Mes yeux ne sont que sur toi. Mon espérance, mes yeux ne sont que sur toi. Mes yeux ne sont que sur toi. Mon espérance, mes yeux ne sont que sur toi. Mes yeux ne sont que sur toi. Mon espérance, mes yeux ne sont que sur toi. Christ en nous, espérance de la gloire. Christ en nous, espérance de la gloire. Christ en nous, espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance 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 de la gloire. Christ en nous, Shababakanda. Shamba kiriya shanda.
Holy Spirit, come right now. Saint-Esprit, viens. Tu es déjà là, Seigneur, mais je te prie de venir d'une façon fraîche et nouvelle, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ont avancé dans le nom de Jésus. Wow! Seigneur, comme j'ai dit tellement de fois ce matin, laisse-nous être un chant de louange. Laisse-nous devenir un chant de louange pour toi, Seigneur. Saint agréable, Seigneur. Un culte raisonnable, la moindre des choses, Seigneur. À cause des bontés que tu as versées sur chacune de nos vies, Seigneur, on veut devenir ce chant de louange pour toi. Que ce chant de guitare qui est en nous peut chanter pour toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu. Seigneur, on va voir les fruits, Seigneur, de ce retour à l'autel ce matin. On va voir des fruits, Seigneur Dieu. Alléluia. On voit des âmes sauvées, on voit des promesses être données. Seigneur, on voit des appels être, Seigneur, transférés. On voit des onctions être transférées, Seigneur. Ce matin, dans le nom de Jésus, Seigneur. Tu fais une œuvre extraordinaire, Papa. On te remercie pour ce temps avec toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce qui va prendre place dans les prochaines semaines. Que ton vent de l'Esprit nous saisisse chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, et nous ramène à l'essentiel. Souffle dans nos voiles. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont éloignés de toi ce matin, Seigneur. Ramène-les à l'autel, Seigneur. Je te prie pour ceux, Seigneur, qui sont perdus présentement, qui t'ont connu, qui ont débarqué de l'autel, Seigneur. On vient en intercession pour eux, Seigneur. On te dit, souffle dans leur voile et ramène-les à l'autel, Seigneur, ce matin. On peut voir nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants, nos amis, nos familles, nos connaissances, Seigneur. Les gens qui ne te connaissent pas, qu'on ne connaît pas, venir à toi, Seigneur. Ça n'a ce cri de l'autel, Seigneur. On veut les fils prodigues qui reviennent à la maison, Seigneur. On veut les fils prodigues qui reviennent à l'autel, Seigneur. Qui reviennent à la maison, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Sweep revival in our church, Lord. Souffle un réveil dans notre église, Seigneur Dieu. Alors qu'on vient à l'autel ce matin, Seigneur, souffle un réveil dans nos vies, Seigneur. Souffle un réveil. Jesus, Lord. Dans le nom de Jésus, on te prie, Seigneur. Te rends gloire, Seigneur, pour ce moment avec toi, Seigneur. Seigneur, que partout qu'on est, on puisse apprendre, Seigneur, à bâtir des autels d'adoration pour toi. Bâtir des autels de repentance. On n'a pas besoin d'un dimanche matin, même si c'est une occasion pour le faire. Chaque moment, chaque jour, tu es là, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen, je vous aime. J'ai plus de larmes pour ce matin, en tout cas. Allez vous inscrire, s'il te plaît, pour les groupes de vie. Allez, merci Sam, Emily, l'orchestre. Come on, good job. On vous aime. Bon jeûne. Hallelujah. J'espère que vous avez vos feuilles. Ça commence déjà. Allez vous inscrire. Allez acheter votre livre. Et vivez un moment aux pieds de Jésus cette semaine. C'est ça.